Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui a été convaincu de la présence de Dieu en 1974, pour être bien précis, par le témoignage de Dieu lui-même, c'est-à-dire par la création, par la conscience qu'il a placée en chacun d'entre nous, et par la Bible, la parole de Dieu, une vie transformée. Son témoignage, bien, c'est celui de M. Raymond Ricard que nous allons entendre. Raymond, bienvenue à l'émission Crois-tu? Oui, bonjour Réjean. Bonjour mon cher Raymond. T'es né à quel endroit? Je suis né à Montréal, le Grand Montréal. Pour être plus précis, c'est Grand Montréal. Veux-tu nous préciser où à Montréal? Ce qu'on appelle le quartier Onsic. OK. Et ça s'appelle la rue Sauvé et Sacré-Cœur. Fait que, ah, dis donc. Fait que, il y avait quelque chose dans ça. Déjà là, dès ta naissance. Donc, moi, je suis né à Montréal, comme je disais. Puis, j'ai eu le privilège d'être dans une famille normale, un père, une mère, avec une sœur plus âgée, puis une sœur plus jeune, puis plus tard, un autre frère. Et j'ai eu une enfance tranquille, normale. J'étais un petit gars tranquille, pas un petit gars des gangs. Et... chez nous, on était religieux. Je me rappelle du chapelet en famille, où est-ce qu'on se mettait à genoux. Puis nos parents essayaient de nous garder tranquilles pendant cette période-là. Donc, je me rappelle de cet aspect religieux dans ma famille. Puis, comme je dis, j'avais le grand privilège que quand j'arrivais de l'école, bien, ma maman était là. Fait que j'ai eu une belle enfance. Et tout au long de mon enfance, disons que c'était à l'époque qu'on parlait beaucoup des attaques nucléaires. Puis même, je me rappelle, ils se vendaient à cette époque-là des abris anti-nucléaires. Puis je me rappelle, comme petit garçon, je me disais, hey, si ça arrivait, où est-ce que j'irais? Aucune idée. Puis on n'en parlait pas. On parlait de ce qui pouvait arriver. Même, je me rappelle, il y avait des périodes où est-ce qu'il y avait des sirènes installées partout, puis on faisait des exercices pour en cas d'attaque nucléaire. Mais sur ça, je peux pas dire que je cherchais Dieu à travers ça. Donc, mais il est arrivé quelque chose de très particulier au début des années 1960. Je sais pas pourquoi, mais ma mère, un jour, il y a un monsieur qui passait aux portes, puis il vendait des bibles. Puis peut-être, il y en a qui ont déjà vu ça, c'était des grosses bibles. Il y en avait des bleus, puis il y a des rouges. Nous, ma mère avait acheté une bible rouge pour 20 $. Puis dans les années 60, 20 $, ça équivalait pas mal de sous. Puis je me rappelle, ma mère avait acheté ça. Puis là, on l'avait mis dans le salon, sur une table. Mais ce qui me frappait, c'est que personne ne la lisait. Fait que là, je me dis, on a une bible, mais... elle est là. Puis là, ma conclusion, comme j'avais probablement 10-12 ans à cette époque-là, là, je me disais, bon, ben, on lit la Bible quand on est rendu vieux, parce que mes parents, ils n'ont pas le temps de la lire. Fait que ça, c'est pas le livre qu'il faut lire pour tout de suite. Moi, tout ce que je faisais, pour ceux qui ont déjà eu cette Bible-là, c'est qu'il y avait beaucoup d'images dedans. Puis je regardais les images, exemple, de Samson. Hein? Tout le monde voulait être un Samson pour être fort quand on est jeune. Fait que c'est comme ça que je voyais la Bible comme un livre qu'on lisait, mais quand on n'avait plus rien, on est rendu à la retraite. Fait que j'ai continué. Puis à l'âge de 17 ans, j'avais toujours l'idée de m'en aller dans les forces armées. Puis à 17 ans, je suis parti de chez nous au... Bien entendu, les pleurs de ma mère de voir son garçon partir de la maison. Puis, je suis rentré dans les forces armées. J'avais aucune idée ce que je voulais faire. Tout ce que je voulais être, c'était dans les forces armées. J'étais dans l'aviation. Puis, on m'avait suggéré différentes choses, comme technicien en radar. Mais il y avait beaucoup de questions de physique, puis de loi de Ohm, puis tout ça. Puis là, moi, là, c'était pas mon fort.
Je n'étais pas tellement bien fort dans ce domaine-là. Donc, là, j'entre dans les forces armées. Puis, tout au long de. À travers tout ça, je continue d'être religieux. J'allais à l'église à tous les dimanches, autant que possible. Je buvais pas, je fumais pas. J'étais considéré comme le bon petit garçon qui ne fait pas trop de mal à personne. Mais je ne peux pas dire que je cherchais Dieu. En 1970, il y a eu la crise d'octobre, comme on se rappelle. Puis il y a eu deux crises dans ma vie. Il y a eu la crise d'octobre, puis j'ai eu une autre crise, je me suis marié. À cette époque-là, j'ai rencontré ma première épouse, Pauline. Puis on s'est marié, je l'ai rencontrée en décembre 1970, puis on s'est marié au mois de mai 1971 à la Citadelle de Québec. Puis ça a été le début d'une vie. Qui était pour m'amener à beaucoup, beaucoup de situations différentes. Mais encore là, j'avais la santé, les capacités. Fait qu'on pense pas à Dieu. Ben, on est religieux, par exemple. Mon père avait l'habitude, je me rappelle, de se mettre à genoux à tous les soirs, puis de dire son Je vous salue Marie, puis quelques autres petites prières qu'il avait apprises. Fait que moi, ben, par habitude, je le faisais aussi, mais je ne me posais pas de questions sur Dieu. Pour moi, ça faisait partie de la vie. Mais je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais une religion, mais je connaissais de rien de Dieu. Raymond, on prend une courte pause à partir donc de maintenant, de ce moment-ci. Donc, une vie religieuse, un Dieu qui est là, sans trop connaître c'est qui, ce qu'il peut faire dans la vie, mais il y a la notion de Dieu dans ta vie jusqu'à maintenant. Après la pause, on aimerait entendre la suite de ton histoire. Raymond, service militaire, mariage, bon, dans les croyances sont là, Dieu est là, mais pas plus qu'il faut, ce sont des pratiques religieuses. C'est ça, c'était, comme on dit, là, mais pas là dans mon cœur. Mais Dieu allait permettre des situations dans ma vie pour me faire réfléchir. Comme dit, quand on est jeune, on a l'énergie, les capacités, puis il me semble qu'il n'y a rien qui nous dérange. Une année après qu'on s'est marié, mon épouse a développé la maladie de la schizophrénie. Et suite à ça, elle a été hospitalisée. Dans ce temps-là, j'étais dans la région de Hull. Puis, je travaillais à Ottawa comme militaire. Puis là, après ça, j'ai été transféré à Victoria, en Colombie-Britannique. Puis, la maladie de mon épouse avait ses hauts et ses bas. Mais encore là, je vivais ma vie. Je continuais. On était religieux. On continuait tous les dimanches d'aller à l'église. Mais la vie, pour ma part, c'était d'avoir des choses. Parce que si Dieu n'est pas dans notre vie, ça nous prend quelque chose d'autre pour remplir le vide. Alors, j'ai essayé différentes choses. Les AB, j'aimais beaucoup les trains miniatures. Et dans ce sens-là, j'aimais faire des villages, des petites campagnes, parce que mon épouse a été hospitalisée à plusieurs reprises. Puis là, j'avais pris comme principe, je me suis dit, quand ça va mal, on peut faire deux choses. On peut essayer d'oublier notre problème en le noyant par de la boisson, ou on peut faire autre chose de mieux qui va rapporter un peu. Puis moi, j'avais choisi de ne pas boire parce que, étant dans les forces armées, malheureusement, j'ai vu le ravage que peut faire la boisson dans les vies des personnes. Fait que là, j'avais commencé à faire ce AB. Ensuite, j'ai eu un autre AB, c'était la collection d'armes à feu. Puis là, je trouvais ça bien. Puis là, après ça, ben là, ça a été d'avoir autre chose. Mais une des choses que je faisais beaucoup, c'était du jogging. Ça me faisait du bien.
Puis là, de Ottawa, j'ai été transféré à Victoria, en Colombie-Britannique, sur la base navale. Ça, c'est en 1973. Pendant que j'étais là, puis je faisais beaucoup de jogging, Dieu a commencé à me parler à travers la nature, la création. Parce qu'on ne peut pas regarder la création sans qu'on soit, surtout ceux qui ont eu le privilège d'aller dans la région de Victoria, il y a l'océan Pacifique, les montagnes blanches du côté des États-Unis. C'est réellement grandiose. Puis, est-ce que je ne pouvais pas me dire, regarde Raymond, là, c'est pas arrivé comme ça, là. C'est Dieu qui a fait ça. Puis, je me rappelle, je faisais mon jogging presque à tous les jours. Puis là, je regardais le soleil. Puis je me disais, Raymond, es-tu capable de garder le soleil? C'est sûr, je ne suis pas capable. Donc, est-ce que tu vas pouvoir regarder celui qui a créé le soleil? Ça, c'est sûr que j'en étais absolument incapable de regarder le soleil, mais encore moins celui que je vais rencontrer, mon créateur. Fait que là, ça me posait des questions. Mais la religion ne me donnait pas de réponse. J'allais à tous les dimanches, mais je n'avais pas de réponse à savoir qui est Dieu. Je savais qu'est-ce qui était une religion, on fait telle ou telle chose. Donc, je me posais des questions. Puis vous savez, quand on se pose des questions, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on cherche. Alors, Dieu allait faire un travail dans ma vie. Il m'avait parlé à travers la création, c'est comme s'il a éveillé ma conscience. Hein? Puis, parce que quand notre conscience est élevée, bien là, ça nous rend conscient qu'il faut qu'il y ait quelque chose dans la vie. Manger, dormir, puis c'est fini, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait d'autres choses. Et Dieu, dans sa grâce, il y a un verset qui nous dit, hein, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Puis c'est marqué que, donc, si on cherche, on trouve. Si on demande, on va recevoir. Fait que je cherchais. Mais comment est-ce que Dieu allait répondre à ma prière? Mais là, ce n'est pas une prière que j'ai faite, c'est un désir. Mais Dieu connaît le désir de nos cœurs. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que à Victoria, comme j'ai dit, j'étais dans le domaine médical. Et là, je travaillais à l'hôpital naval sur la base de Esquimalt, c'est à Victoria. Et là, je rencontre un jeune homme qui est en train de lire un grand livre. Il est assis, c'est un militaire, puis il y a une période tranquille, puis là, il est en train de lire un grand livre. Là, je demande, qu'est-ce que tu lis là? Il dit, je lis la Bible. À quoi vous pensez que j'ai pensé? Tout de suite, j'ai pensé à la maison. On avait une grosse Bible. Personne ne la lisait. Il me disait, bien, quand on est âgé, on va la lire. Mais là, voir un jeune homme qui lit une Bible, je me disais, bien, donc, ça n'a pas de sens, hein? Mais c'est là qu'il a commencé à me parler de l'amour de Dieu, de son pardon. Mais je savais ces choses dans ma religion. On m'avait expliqué que Jésus était mort pour les péchés du monde entier. Mais ça ne me disait rien. Je savais que c'était un fait, mais ce n'était pas quelque chose que je croyais. Mais lui m'a expliqué l'amour de Dieu envers moi. Ah, ça a été quelque chose. Mais je peux vous dire que je n'ai pas tout de suite dit, ah, ben, je suis donc contente que tu m'en parles. Non, non. Et moi, là, qui étais sur une base de marin, qui ne buvait pas, qui ne fumait pas, qui allait à l'église à tous les dimanches, ben là, j'étais parmi les meilleurs aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Mon cher Raymond, bien, on prend une pause à ce moment-là, vu qu'on va analyser ça. Tu es le meilleur sur la base militaire, là, en tout cas, à cause de la description que tu viens de nous faire de la personne que tu étais à ce moment-là, de ta vie. On réfléchit à ça, mais après la pause, on va entendre la suite de l'histoire. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi.
Raymond, donc, tu es le bon gars dans le service militaire ou sur la base, sur une base militaire. Et puis, on te considère comme ça parce que, bon, ne fume pas, bois pas, et puis tu crois en Dieu. Mais ta conscience, il semble y avoir quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Oui, puis Dieu commençait à montrer que j'étais un pécheur. Lorsque mon ami m'a parlé de l'amour de Dieu, mais il m'a parlé comment Dieu est grand et puissant, mais je le voyais dans la création. Donc, je voyais bien que je n'étais pas prêt à le rencontrer. Mais de penser qu'à cause de mon péché, que j'étais pour aller en enfer, bien, oups, là, c'est une autre affaire, ça. D'accepter que on va être condamné pour l'éternité. Donc, il m'a parlé de l'amour de Dieu. Donc, si je peux utiliser, Dieu m'a parlé la première fois. Mais à la fin de la conversation, il me dit, Raymond, on a des études maison. Puis, si tu veux, tu peux venir. Ben, j'ai dit, avec plaisir. J'ai été parce que j'étais curieux. Et ce qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, je n'ai pas dit à mon ami, mais j'ai dit, lui, il connaît Dieu, puis moi, je connais une religion. Mais je voulais connaître Dieu, pas une religion. La religion, ça ne donne rien. Ça enfle les personnes de penser qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est ce que je me pensais moi-même. Alors, je vais à la réunion maison. Puis là, j'entends parler encore de l'amour de Dieu. Mais il faisait une étude dans le livre de l'Apocalypse, puis il parlait des jugements de Dieu. Mais là, je me suis dit, ouais, c'est quelque chose. Dieu va juger la terre. Mais c'est facile de. Ah, il va juger la terre, donc moi, je suis un peu comme accepté de ça. T'sais. Mais non, on va tous être jugés. Fait que là, j'ai trouvé ça intéressant. Je suis parti de là, j'ai dit, bon, ben au moins, je suis moins ignorant de Dieu que je l'étais. Puis là, il s'est produit quelque chose de réellement spécial. C'est qu'il avait demandé des volontaires pour aller en Allemagne pour un exercice militaire. Puis là, je m'étais porté volontaire. L'état de mon épouse allait des fois bien, des fois moins bien, mais là, c'était pas trop pire. Puis elle a pu, étant donné qu'on restait à Victoria, puis moi, je partais pour une bonne période, j'ai dit, tiens, retourne à Québec. Fait qu'elle retournait à Québec, puis moi, je devais partir le lundi suivant. Mais là, le voyage est retardé d'une semaine. Fait que là, mon ami me dit encore, Raymond, si tu veux venir, tu peux venir à la rue. Ben, c'est sûr, je vais y aller, je n'ai rien à faire. Le voyage est retardé d'une semaine. Fait que, encore là, j'entends parler de l'amour de Dieu. Puis là, tout le monde m'entourait pour me parler de la grâce puis du pardon que je pouvais avoir. Et combien, Jean 3,16, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que je trouvais ça beau. Mais encore là, je n'étais pas convaincu que moi, là, Raymond Ricard, j'étais un pécheur perdu dans mes péchés. Mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé l'accueil tellement agréable des chrétiens qui m'ont entouré. Fait que là, ça faisait 3 fois. Donc, ça, c'est un lundi. Et le jeudi, il y a un monsieur un chrétien vient me visiter. Puis là, lui, il me parle encore de l'amour de Dieu, de son pardon, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Je n'avais pas de misère à croire ça, je suis un pécheur. Je savais bien que je n'étais pas parfait. Mais de penser que mon péché méritait un tel jugement. C'est là que j'avais de la misère, pas mal. Le moi, l'orgueil, se voir si terrible que ça. Donc, après m'avoir parlé, un homme sage, il m'a parlé de l'Évangile encore, puis que là, Dieu m'invitait à le recevoir, son Fils. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, ça faisait 4 fois que j'entendais parler de l'amour de Dieu. Mon ami à l'hôpital, 2 fois dans les études de maison, et là, chez moi tout seul. Fait que là, il me parle, puis là, il s'en va. Maintenant, quand quelqu'un vous dit qu'il vous aime, ça fait 4 fois pour faire quelque chose, il faut lui dire oui ou non. Puis je me rappelle le 19 septembre 1974, alors que
Le monsieur est parti, monsieur Horton, je me rappelle encore de son nom, mais lui est au ciel là aujourd'hui, mais allez le revoir bientôt. Là, je me suis mis au pied de mon lit. Le 19 septembre, et probablement vers les 9 h du soir, entre 9 h et 10 h. Puis là, je me suis mis au pied de mon lit, puis j'ai demandé au Seigneur de sauver un pécheur comme moi. Parce qu'il m'avait convaincu par la création, par la conscience, mais là, par sa parole, il me disait ce que j'étais, mais il me donnait aussi le remède face à ce que j'étais, face à lui, pour être pardonné, bienheureux pardonné. Le plus grand bonheur sur la terre, là, c'est pas de gagner la loto, c'est d'avoir le pardon de nos péchés, et de savoir qu'on est prêt pour l'éternité. Ça, là, c'est le plus. C'est, David va dire, hein, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son péché. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a payé à sa place. Là, j'ai compris une chose bien importante, que de savoir que Jésus-Christ est mort pour le monde entier, ça ne change rien, mais de savoir qu'il est mort pour moi, ça a tout changé. Le 19 septembre 1974. Et là, j'ai commencé un voyage qui va terminer bientôt, parce que à 74 ans, on pense qu'on n'a pas trop, trop long à faire. Mais c'est ça qui est merveilleux. Avec lui, quel bonheur de marcher avec lui. Ah, vous savez, de me rappeler quand il m'a sauvé, le 19 septembre. Pourquoi? Parce que j'ai vu mon péché, je me suis repenti et je me suis tourné vers lui. Mon cher Raymond, cet enthousiasme-là que tu as présentement, garde-le parce que on va faire une courte pause et après j'aimerais que tu nous partages avec nos téléspectateurs comment eux peuvent aussi bénéficier de ce que tu as présentement dans ton cœur, cette joie d'être pardonné, d'être réconcilié avec Dieu. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croistu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Le samedi 11 h 30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Raymond, c'est l'heure maintenant de t'adresser, ben, tu le fais depuis tantôt à nos téléspectateurs, mais de façon peut-être plus détaillée, plus précise, comment bénéficier du pardon de Dieu? Ah, c'est la simplicité qui est belle. Hein? Un jour, il y en a qui ont demandé, qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé? L'apôtre Paul a répondu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. La foi, la dépendance de réaliser que par nous, moi-même qui étais religieux, qui aurais essayé de plaire à Dieu par mes propres efforts, on n'arrive à rien. Tandis que quand j'ai mis ma foi dans le Seigneur Jésus comme le seul moyen de salut, lui seul a payé pour mes péchés. Fait à qui je vais aller? Ben, à lui seul, c'est lui qui a tout payé. Puis il m'invite à venir à lui. Donc, je n'ai qu'à me confier dans l'œuvre du Seigneur Jésus qui a tout payé. Le Seigneur est mort pour tous mes péchés, passés, présents et à venir. Je suis en paix. La Bible dit, nous avons la paix avec Dieu
par Jésus-Christ notre Seigneur, pas par autre chose, mais par la foi en Jésus-Christ. Donc, mes chers amis, moi qui étais le bon petit gars, Dieu m'a pardonné. Mais vous savez, Dieu a pardonné à des criminels, même sur la croix. Il y en avait un qui était à la croix, puis il l'a pardonné. Fait qu'on soit n'importe où l'échelle. Pierre de Dieu, face à Dieu, on peut être pardonné. Il n'y a pas de rien de trop grand, ni de trop petit, mais on a tous besoin du pardon, parce qu'un seul péché nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Mais je sais que tous mes péchés sont pardonnés à cause de Seigneur Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, tout est payé. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Recevoir par la foi ce beau don gratuit du salut en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis je peux vous dire une chose, oh, j'ai un regret. Je n'ai pas le dit, pas l'avoir fait avant. J'ai perdu du temps, j'ai perdu tellement dans ma vie, même si j'étais un bon petit gars, j'ai perdu. Mais aujourd'hui, je rachète le temps parce que je vis avec Jésus-Christ. Puis je peux chanter, quel bonheur de marcher avec lui. Pensais t'allais nous le chanter. Quel bonheur d'être avec lui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Raymond, merci. Puis ceux et celles qui ont fait ce choix aujourd'hui, dans ce témoignage-là, écrivez-nous, appelez-nous. Accrois-tu.ca, le numéro de téléphone est à l'écran. Venez nous rejoindre les mardis soirs à des études bibliques à 19h au Québec, Nouveau-Brunswick, 20h. Le samedi, 9h30, il y a des témoignages. Raymond a donné le sien, puis combien d'autres y ont passé? En direct sur Zoom, en allant à accrois-tu.ca, 9h30. Et puis, faites don la demande de notre littérature qui est offerte gratuitement. Passeport pour le ciel. On vous l'enverra avec joie. On ira vous le donner comme ça en main propre. On ira frapper à votre porte s'il le faut. Non, on n'est pas limité. Hein? Alors donc, crois-tu.ca. Raymond, merci de ta participation. Et merci, chers téléspectateurs, d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu.